Tu l'as déjà remarqué, il y a beaucoup de choses étranges. Comme lorsque tu t'es réveillée après l'accident et que tu ne savais pas que tu étais mariée. Enfin, au début, tu as d'abord dit que non, puis tu as dit que oui. Et après, tu as pensé que Bruno avait quelque chose à voir dans tout ça. Mais comment est-ce que tu sais tout ça? Parce qu'il se dit des choses. Les gens parlent entre eux. Il suffit d'écouter. Tu soupçonnes Bruno, mais maintenant, il y a un type de Zaki qui est apparu. Qui cherche avec insistance Maria Rossé. Oui, enfin, quelqu'un a appelé la maison, et... Tu sais comment il s'appelle? Non, j'en sais rien. Mario Aguirre. Et c'est qui? Ben, sans doute un ami de ta femme, qui a manifestement gardé le contact avec elle. Et dans quel but est-ce qu'il aurait gardé le contact? Ça, je ne sais pas. Et qui t'a raconté tout ça? Tu ne diras rien à personne? Oui, oui, c'est promis. Bon, alors qui? C'est Bruno. Je ne crois rien qui vienne de Bruno. Il y avait des témoins. Maria Rossé en personne et Ezekiel. Bruno a interdit à Ezekiel de venir t'en parler, mais si tu titilles un peu, il te racontera. Maria Rossé, je suis moins sûre. Pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Parce que je t'aime. Je ne voudrais pas qu'on me prenne pour une folle.